Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite... Attention pour les couleurs. Envoyez. Enfants du collège de Châtenois, Moussa Aïtas et Colline Vivier vont vous lire le discours du général de Gaulle. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne, de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs, au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quel qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Message de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre la guerre par tous les moyens disponibles,
partout dans le monde. Refusant l'abaissement de la France, il déclarait « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». En cette journée nationale qui marque le 75e anniversaire de l'appel historique du 18 juin 1940 et le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous rendons hommage aux chefs de la France libre et à tous ceux qui l'ont rejoint pour défendre une certaine idée de la France et de la liberté. La nation française rend hommage à ce précurseur, illustre visionnaire que fut le général de Gaulle. Précurseur par les conceptions de stratégie militaire liées à l'emploi des blindés qu'il développa largement entre les deux guerres mondiales et qui lui valurent d'être nommé le 11 mai 1940 à la tête de la 4e division cuirassier de réserve. Puis d'être appelé le 6 juin suivant au poste ministériel de sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Illustre lorsqu'il appela les Français à poursuivre la lutte, créant la France libre, puis la France combattante et unissant ainsi autour de lui tous ceux, en France métropolitaine comme hors de l'Hexagone, qui voulaient rendre à la France sa liberté. Visionnaire enfin, en permettant à la France, après 5 années d'occupation et de combat, de siéger à la table des vainqueurs, retrouvant ainsi sa place pleine et entière dans le concept des nations. La nation française ne peut commémorer ce 18 juin sans rendre hommage également à toutes celles et tous ceux qui, refusant la facilité et l'avilissement, répondirent à l'appel et prirent les armes contre l'ennemi, qu'ils aient choisi de servir au sein des forces françaises libres ou qu'ils aient préféré s'engager dans la voie de la résistance. Les Français libres venant de France, d'Afrique et d'ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins et aviateurs constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la Croix de Lorraine. Les résistants de l'intérieur, de toute conviction, de toute condition, choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein des réseaux, des mouvements et des maquis. Toutes ces femmes et tous ces hommes ont honoré la promesse du général de Gaulle, celle du 18 juin 1940 de ne jamais éteindre la flamme de la résistance. C'est à la lueur de cette flamme que nous devons, 75 ans après, continuer d'écrire l'histoire de notre pays, celle d'un pays libre et fraternel, celle d'une nation profondément attachée à ses valeurs républicaines. Nous procéderons une minute de silence après l'annonce aux morts.